et question kidnapping non c'est pour mais ça faire en Haïti et faut qu'il y ait des mesures en urgence qui prend pour ne pas mander population haïtienne pour la vivre avec ce qu'elles ont. Et on a mesuré, c'est joindre renforcement, joindre accompagnement pour permettre la police nationale, la unité dans la police nationale là, qui a bataille dans la question ça, capable de gagner plus capacité, renforcer capacité pour combattre phénomène ça. Et dans ce sens, ça, Bob Segarier, nous apprend de gagner plusieurs policiers colombiens qui est en Haïti pour renforcer unité nous gagner dans la police en cap bataille contre kidnapping. Actuellement, oui, gagnons délégation police colombienne qui sous place et c'est à initiative, c'est sous initiative plutôt Bureau international stupéfiant avec application la loi. Membre police colombienne arrivé en Haïti dans cadre mission et spécial ça et c'est directeur général police nationale, la directeur général AI police là, Léon Charles qui t'a l'accueil dans l'aéroport international Port-au-Prince selon un tweet ambassade américaine à Port-au-Prince qui confirme arrivé délégation police colombienne en Haïti dans cadre mission et spécial ça oui tweet ambassade là a dit yo vin travail avec police nationale là pour renforcer capacité unité anti enlèvement qui gagnent dans en police là yon collaboration qui rivait dans yon moment côté zak kidnapping yo recommencer pour la plus belle dans Port-au-Prince. En tout cas commune Cité Soleil li continue à faire face carré avec des situations violence yo vinn pi visible dans commune nan côté en pile rafale coup de zam automatique a chanté dans bidonville ça depuis quelques jours habitants dans cité a principalement moun la plaine guerrier qui a connait un moment extrêmement difficile parce que vu proximité géographique yo avec cité hein, parce que rafale yo c'est comme si dans la cour a tombé côté timoun a crié yo mandé autorité concernée prend toute disposition rapide vite pour mettre frein dans sa cap passer dans commune ça qui censé laguer pour compte lui Jean-Georges Blaise t'a visité commune hier. Ça fait quelques semaines situation pas bon pour la cité côté conflit la guerre chien manger chien a recommencé pour la plus belle en différents groupes armés captoke konyo sorti hier soir pour l'ouvrir matin mardi 23 février c'est gros rafale pour zam automatique dans différents quartiers tant que Brooklyn la plaine principalement zone Tenois qui barré à gauche pendant journée une situation tension qui a persisté plus passé deux semaines après la mort plusieurs individus parmi eux une petite demoiselle 12 l'année qui était tombée en babal dans zone du Vivier ça qui a passé là inacceptable selon Tifito qui souhaitait autorité en place principalement la police agit vite pour empêcher pita pitris dans communauté grand pile monde qui quitter caillo dans notre triste et n'a présent non et grand pile côté dans zone n'était bloqué raison de faire bloquer zone non c'est une façon pour protéger nous même monde qui a passé et même monde dans zone non pas de victime moi c'est aujourd'hui on a fond avec on appelle avec l'état central et tout monde dans pays pas cap courir quitter caillou on monte un bloc et pour faire caillou de nos jours il pas facile chaque côté pour monde faire caillou pour éviter pour ces bandits cap faut courir quitter caillou là il pas logique moi c'est pour l'état et central porter la main forte à ça qu'a passé à cause climat ça circulation machine pas facile pour journée dans zone Carrefour Vincent ça qui était la cause un blocus tête chargée sur national numéro 1 l'école pas fonctionner non plus dans cité Asimkwe Mercilia Luma comme habitant premier cité qui pas caché sentiment non plus sous ça non l'école beaucoup fonctionner depuis qu'il est bon depuis semaine l'école là depuis après carnaval là nous allons à l'école depuis situation qui fait ça là oui parce que depuis professeur tant des balles des professeurs qui n'a cité depuis autant des bruits balles là il pas ouvert l'école au matin l'école là t'a fonctionné directeur est venu le bruit balles là aller pour qui ça selon vous même comme habitant la plaine Tifito qui cause toutes des autres ça a persisté jusqu'à présent vision négio c'est envahir zone là contrôler CPS tout c'est contrôler tout industrie qui dans zone là pour venir bas aux compressions et mon la peine pas habitué à des systèmes ça nous demander
l'État central prend responsabilité parce que moun à peine pas cap courir quitter zone yo encore, même Jean moun Delma pas cap courir, même Jean moun la Saline Delma 2 encore pas cap courir, moun Pétionville pas cap courir parce que faut que l'État prend responsabilité pour le défendre pays et pour le qui niveau pour mettre sécurité dans pays. C'est pas seulement ça qui va tête chargée en bas. Habitants cité a qui par connaît qui s'en pourrait encore après les en moyen l'autre pas peut-être fatra. Glossal qui a acheté divers quartiers l'argent comptant, surtout après passage de la plia, Marconé avec la pli touche qui cause une bonne famille aux abois dans Cité Soleil. Jean-Georges, Blaise, Caraïbe FM. Voilà pour situation dans Cité Soleil. Jean-Georges Blaise, côté où se rappelez nous là, rafale, coup de zam continue à tirer, mais violence là, il prend une autre forme dans sud capitale là, côté toute information, yo rapporté majorité kidnapping qui fait yo y aller dans direction ça concernant Dominicain qui kidnappé week-end là, toujours pas gain trop information qui filtré sous démarche qui engagé pour t'arriver joindre libération Dominicain ça yo entre gagné ambassadeur dominicain en Haïti qui révélait pays le pas gain intention lancer aucune opération militaire pour libérer compatriotes li yo qui toujours en bas même ravisseur yo ambassadeur pays voisin qui accrédité dans pays a démenti comme ça rumeur qui t'est laissé comprendre Saint-Domingue t'a paré pour intervenu en Haïti l'ol dépêché équipe anti terroriste qui était déjà sous place en Haïti pour venir libérer dominicain yo kidnappé depuis samedi dans rentrée sud de capitale l'autorité de pays yo toutefois été en contact permanent sous dossier selon ambassadeur Fakouk Miguel qui yon fois encore voyé jeter toute information qui laissait comprendre Dominique Yota apparaît pour faire yon intervention en Haïti. Même le ministre de Défense dominicain Carlos Luciano Diaz Molfa a été déclaré dans le journaliste Diario. Il a fait tout ça qui n'est possible pour permettre Dominique yo kidnapper en Haïti yo tourner la caillou avant longtemps. Ministre de Défense là qui fait qu'on est l'issue au gouvernement haïtien à travailler dans ce sens pour arriver libérer Dominicain pendant le confirmé autorité Port-au-Prince ont demandé au soutien dans sens ça sans toutefois bail trop détails. En tout cas, demandé Dominicain qui parle en Haïti yo, pour yo vigilant parce que situation Haïti a délicat. N'a pas rappelé Dominicain yo t'es kidnappé week-end dans l'entrée sud. Capitale là, c'est deux frères, Michael Enrique et Antonio Jerel Compusano Félix. Yo tap travail comme technicien pour Société Production Cinématographique Mousca Group. Yo kidnappé au samedi dans la zone 5e avenue Bolos. Dans le moment, yo te dans un cortège, tap rentré, saut tourné un film dans Jacques Mel. Yo kidnappé yo avec tout interprète yo, yon haïtien qui c'est Albert Junior Agusma. Yo connaît son nom. Tinega. Et fun fait qu'on est Pierre R. ressorti sans nous, qui est en terre voisine. Yo gen pris l'inquiétude sous enlèvement ça. Et non seulement inquiétude, yo gen inquiétude sous avenir, sous demain en terre voisine. Il est nous connaît en pile dans Dominicain. C'est moun qui agit avec en pile émotion. Et yo commencé à joindre feedback sous ça qui passé en Haïti. Nan travail yo nan rapport y a pas développé avec dominicain yo même sur route pour lancer un cri et bay monsieur ravisseur yo pour faire connait c'est calamité yo c'est trahi yo davantage y a augmenté la caille voisin en République dominicaine et vous fait connait que contrairement avec gens situation yé en Haïti mais en terre voisine nan yo joine ti dégager yo joine ti job nan champ etc. Donc c'est augmenter situation mais donc gain pile prudence Jean Sodian et Pierre Winel cap jouer autour de question ça c'est qu'à chef gouvernement Joseph Jout qui lui-même fait connaître que l'étant des informations yo même Jean à tout le monde information que t'as laissé quoi que soldat dominicain t'a déjà a préparé pour rentrer sous territoire là à la recherche des dominicains qui t'a kidnappé. Je vous promets bien.
ministre Joseph Jout avec un pile précaution et surtout les nous connaît que c'est des peuples qui partageaient un seul zilé. Donc il y a pas qu'à écrire un bon moment et puis un bon matin ou des débarquer bride sous cou comme ça tout bagaille et gagne un principe gagne un gens pour le fait nous comprendre PM Jout et qu'il est même tout et tout profiter parler avec monsieur Ravisseur. On a peut-être des chefs gouvernement. Tout le monde dit sauvé, tout le monde pense sauvé. Mais Raïche dit d'un blanc, je ne pas quoi la police nationale, Jean Bon Premier ministre qui veut mais au conseil qui a de très bonnes relations avec le PRH. Je souhaitais que Atista la ressaisisse, parce que je connais comme un bon rappeur, bon, je ne pas les bons politiciens. Bon, je souhaitais que l'y apprenne à faire politique et l'y apprenne à utiliser bien. Et Bouchli et le Lapalé parce que la politique c'est pas là. Nous ne pouvons pas nous dénoncer parce que nous pensons que c'est un problème de compréhension. Parce que ce n'est pas chaque monde qui a la même aptitude, nous même attitude non plus. Vous comprenez, moi juste pardonner ça. Et parce que maintenant il y a un pile vieille parole déjà dans la rue. Bon. Et probablement il est contaminé par fausses informations, mauvaises paroles que nous avons dit. Et hier soir encore, je t'attendais, un policier actif ou bien ex-policier, il était pour me vérifier ça, sur les réseaux sociaux, qui fait des déclarations qui assez graves, qui dit qu'il lui-même, mais qui qualité groupe monde, mais qui groupe monde qui n'a qui n'a kidnapping. Pourquoi son policier que les Grecs ou bien Grégoire, c'est non ça me détendait, moi mettez pour vérifier pour moi. C'est pas que nous-mêmes des célèbres. C'est-à-dire la police continue à travailler et fait filature et n'a pris toute disposition pour au moins nous mater cette histoire de kidnapping dans le pays. Parce que j'en sors de là qui prend ampleur, qui est vraiment, vraiment inquiétant dans le pays. N'a travaillé sur ça. Le commissaire à Grand Avignon, c'est un choc pour moi et je pense que c'est un choc pour tout citoyen, pour tout le monde qui est normal et dans le pays. Mais je connais tout que. Et l'inspection générale de la police avec toute les CPJ, il y a enquêté pour qu'on ait exactement ce qui passé. Hein? Et quel que soit le monde qui fautif dans ça, il y a puni. Bon, et je fais toute journée une conversation avec les autorités dominicaines. Et nous sommes censés travailler à Bézoli. Malheureusement, c'est un convoi de 22 ou 20 véhicules selon l'information que j'ai gagné. Ils sont rentrés dans le pays. Nous ne savons pas qui côté ou passer, qui gens ou passer, ou qu'on est nos frontières qui c'est 4 ou 5 points seulement nous contrôler sous les, nous passons n'importe côté. Et dans la même copie passeport que moi, mais même moi, un passeport, il y a un Dominicain qui expire. C'est-à-dire c'est malheureux que un convoi qu'on s'est rentré dans le pays, les autorités. Et du pays n'était même pas au courant. Et selon l'information que j'ai, il y a deux patrouilles policiers qui étaient avec eux, de l'UDMO, je crois. Mais je suis beaucoup sûr de ça parce que je me demandais plus d'explications dans l'état-major de la police. Ça, pour me connaître, est-ce que vous êtes autorisé pour accompagner le convoi et dans quelles conditions? Ils ont kidnappé trois mounio et matin, on parlait avec plusieurs mounes qui concernaient par un montage film ça que vous avez fait. Mais nous travaillons sur le dossier, nous pouvons penser après-midi à nous faire une solution. Merci. Voilà. Et donc, nous avons attendu chef gouvernement, donc Joseph Jout, qui non seulement porté précision, pas précision, puisque il n'est pas trop approfondi sur sa arrivée dans le commissariat Grand Avignon, bien que nous avons des informations déjà. Donc, nous avons tant de précision au état-major, nous avons tant de précision claire dans le CSPN, nous avons tant de précision également dans le et puis maintenant qui a plus approfondi cette question parce que faut que famille policier connaît qui s'est passé exactement et il y a information qui fait qu'on est que il y a des armes prend toutes les armes qui étaient dedans si il y a des armes il prend toutes les armes qui sont dedans qui qualité des armes qui dans la rue et on parle d'un pile munitions donc vous devez nous
plus explication et chef gouvernement comme chef CSPN. Donc autour de questions dominicain yo PM nan l'éclair guerrier donc précision PM nan et pas quitter nous nan doute davantage c'est que yo au courant gen enlèvement effectivement mais question déploiement l'armée dominicaine sous-sol là n'est pas trop informé. Oui. En fait, selon un nouveliste qui écrit un texte hier soir, donc il dit que l'autorité dominicaine, en fait, dans notre titre, on dit pas d'assistance république dominicaine pour le moment, ça, c'est précision, Premier ministre Joseph Jout, qui dit que l'autorité dominicaine, effectivement, offre assistance après kidnapping de ressortissants samedi passé à l'entrée sud capitale. Là. Yo effectivement offri nous assistance technique yo mais c'est beaucoup à l'ordre du jour pour moment ça c'est ça chef gouvernement confié donc qui c'est responsable CSPN non donc lui parler à quel nouveliste mardi 23 février nous prêt le travail ensemble avec République dominicaine sous tout aspect sécurité au niveau frontière là et partager information au niveau douanier collaboration Sayo accentué après kidnapping de ressortissants yo en termes de transfert d'informations, de connaissances des deux côtés. C'est ça, Joseph Jout fait connaître pas plus que ça comme précision par rapport à éventuelle ou du moins ces informations qui ont circulé comme quoi le militaire dominicain a gagné l'idée pour intervenir pour récupérer deux ressortissants qui toujours en bas main bandits qui ont été kidnappés dans la rentrée sud capitale là, samedi. On ouais, fait connaître que qu'on peut gagner la cuisine sérieusement. Quelques informations là, vu qu'on est langue. Bah, cap tombé et tout allait dans ce cause dans là c'est sûr que nous capables on plus donc il n'est que d'attendre ça il y a plus de 3000 monde qui sur plateforme ça donc c'est sur Facebook là sur YouTube là c'est ça sur Facebook là que nous après 7000 n'a pas avancé salutations pour vous et nous apprécier modération que vous fait geste dans occasion pour faire voir ça ensemble avec nous avant et puis n'a pas venu avec ambassade américaine position ambassade américaine dans note ça côté que yo mettait le dehors on dit yon joue même après intervention chef l'état pays Jovenel Moïse par vioconférence dans conseil sécurité Nations Unies et bien dans notre ça ambassade américaine fait connaître que gouvernement haïtien doit mettre yon terme définitivement avec question gouvernance par décret. C'est ça que recommandé l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti dans un tweet qui datait 23 février 2021. 23 février 2021. Ambassade américaine en Haïti fixé en l'autre fond quoi position sous crise socio-politique ça cap rongé pays sérieusement. Environ 24 heures après intervention Jovenel Moïse dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassade américaine exhorté dirigeants haïtiens pour suspendre, diriger avec causer décret ça. Le gouvernement haïtien doit mettre un terme dans la période ça qui est très actuelle, gouvernance par décret ça. C'est ça qu'on a dit dans le titre. De ce fait, l'institution a plaidé en faveur, ça a eu les stabilités politiques. Il dit c'est un gouvernement stable, démocratique, qui pleinement représentatif, que on série de problèmes capable d'aborder définitivement. D'un coup, question violence, corruption, violation de droits civils, droits humains, yo capable traiter de manière significative, c'est l'un nous prend voix ça. Faut que nous rappeler que institution a déclaré que l'a soutenu gouvernement haïtien dans le cadre de réalisation prochaine élection. Hein, Doucin Chou? Oui, c'est comme ça. Oui. Ah, on dit tape amical? On dit tape amical? On dit tape sous domaine? Oui. Ah oui.
Mm-hmm. Et rappelé Pierre-Renel, donc parce que nous pouvons mettre accent sur deux Dominicains, mais il y a un haïtien tout, il y a un jeune qui. Tineg. Tineg, qui lui-même, quand il est dans la faculté linguistique, c'est pas trompé. Donc il y a un mouvement d'ailleurs qui était fait pour l'ITO, pour capable de libération. Donc c'est trois moun, pour nous parler comme ça, qui nous même monsieur, ils ont pris ensemble, qui t'a sorti Jacques Mel dans le cadre de tournage film ça. Encore une fois, donc nous souhaitons que M. Sayo rentre la caillou pour aller joindre famille. Il présente Tineg tout comme un linguiste, oui. C'est un poète, mm-hmm. Interprète, ouais. Monsieur tout. Donc, actualité, obligé, nous pas qu'attendre si causer dans Panyol, vraiment pour nous, capable de parler avec Alexander Galvez, c'est puisque tout à l'heure, dans le journal Le Nouveliste, nous avons Premier ministre là, qui était parlé de demande de Dominicain au fait et autorité haïtienne pour une collaboration pour capable d'arriver et capable arriver libérer monsieur yo, mais avant ça ministre de défense dominicain il était dit que c'est autorité haïtienne qui était fait yo une demande là formellement, donc nous pas connaît qui côté demande là t'est sorti avant, mais ça qui certains dominicains yo à suivre de près ça qui a passé en Haïti ya, et haïtiens qui a vivent en République dominicaine yo ont classe inquiété de réaction de capable gagner par rapport à agent situation ça capable tourner. Alexander Galvez aussi et nous en République dominicaine, est-ce que gagnent de quoi vraiment pour haïtiens qui vivent l'autre bord à peur par rapport à ça qui a passé à l'histoire du pays? Est-ce que ça arrivait déjà côté en Dominicain t'es un problème en Haïti et Dominicain l'autre bord t'es vengé et haïtien et l'état minime l'est passé, mais oui ça qu'on passe, mais l'état minime, mais l'état dominicain toujours prend ça en charge pour haïtien protection. Mais m'a invité tout haïtien, et eh bien le 22 février journal Diario Libre. Tandis ça dit, m'a bien espagnol pour chercher journal là. Ça dit, République Dominicaine, RD, manda equipos antiterrorismo a rescatar dominicanos en Haïti. El ministro de Defensa será apoyado por el DNI, por la J2, la G2 e informaciones de haïtiano. Nous allons chercher journal ça, 22 février pour nous traduire. Ça blandit. Okay? Ça veut dire que Lydie, là, c'est République Dominicaine, voyez, équipe antiterroriste pour rescater Dominicain en Haïti. Il dit, vous voyez, ça veut dire que déjà l'aller déjà. Mais journal là, Diario Libre, c'est ça le dit, 22 février. Mandat. RD, mandat équipe. Ça veut dire qu'ils ont. Mandat, c'est vous voyez, ça l'aller déjà. Mais quelle réputation, journal de police, Diario, l'autre bois, est-ce que les bails ont nouvelle, c'est la vérité? C'est la vérité. L'évangile? C'est la vérité. Mm-hmm. C'est la vérité. C'est un journal qui est très respecté, Santo Domingo, très respecté. Mm-hmm. Ok? Je dis à la, qui s'en a cherché? Haïtien, vraiment, voyons, inquiété. Alors, il y a un pile, parce que Haïtien qui est chrétien, a prié. Eh bien, pour ça, tu as fini amicalement. Et oui, il a prié. Mais il y a une inquiétude tout, au niveau frontière, tout. Pas oublié, et quand même, famille dominicaine, yo, et ils ont demandé l'État, bon, parlement dominicain, je dis à qui pour intervenir sur le dossier ça. Il pas intervenu. Alors, et l'information qu'on vient, c'est que hier après-midi, non, est-ce que son confirmation journal l'a faite ou bien son recommandation? Non, confirmation. Bon, devant situation ça au guerrier et même dans la presse haïtienne, non, et il y a des bails qui sont arrivés. Et donc, souvent, on vient sentir que y a des émotions qui ont dégagé. Mm-hmm. Parce que les Dominicains ont arrêté la caille pour le temps dès que on t'y fait 5 ans, seul crime l'y fait, ni dans la cour caille maman. Dans Delmar, dans Matisse 115, un marchand de pistache qui déjà pas ouais bien, qui a des yeux seulement, pas même ouais bien là-dedans. Et puis, nega moto passe prend, ti les ans, ça. Allemand de malheureusement, les al courir des petites lits, ils ont demandé le numéro de téléphone, li baili, les orélés pour dire, ils ont demandé le $4,000 américains que li pas qu'à joindre. Après une semaine, il y a un cadavre petit là tout fait sous Pombria. Mais là on peut attendre une action barbare comme ça. C'est une forme de sauvagerie primitive, ou c'est pire que la sauvagerie primitive. Sauvagerie primitive là pas arrivé dans le niveau ça. Mais le citoyen pays ça a guerrier, tandis que frère même sans acli non même groupe moun sa yo. C'est sûr que le journal a pris des positions
pour le demander à l'autorité pays. Est-ce que notre traduction, est-ce qu'on pas traduit, est-ce que nous jouons donc traduction? Est-ce que c'est déclaration? Est-ce que c'est confirmé décision en prend ou bien recommandation journal là? Parce que plus fort journal ça qu'on engagé dans des éditoriaux face avec dérive ou bien les pays où dans situation vraiment grave guerrier, ils vont prendre des engagements directs. Ouais. Et journal là, lui écrit ça que l'État Bali. Ça veut dire qu'il y a un journal qui a voulu monter, c'est pas un média, c'est un journal qui a un caractère national, en parlant de Diario Libre. Et encore, hier après-midi, le ministre de la Défense dominicain, Edia Molfa, eh bien, il dit comme ça. Haïti, le pidió ayuda a RD para liberar a los dominicanos secuestrados. Haïti mandé aide à la République dominicaine pour libérer des dominicains qui séquestrés en Haïti. C'est ça, le ministre de la Défense dit hier après-midi. Ça veut dire, moi invité peuple. Nous dit, okay. C'est moi invité, ça veut dire, bon côté qu'à bailler mentir. Moi invité peuple haïtien, ça, les journalistes, traduire sur Google pour nous, parce que gain des fois, si nous parlons, nous rasons le monde. C'est-à-dire que la majorité nous veulent nous poster, nous passons en espagnol. Donc, ça veut dire, l'intervention que tu rassuré dans l'interview, ça, que tu as baillé, confrère nous, Valérie Numa, et confrère nous, dans Mega. C'est en fonction de ça que tu as sorti dans le journal. Ça, journal là-bas, c'est ça que nous disons. Nous pas augmentons. Quand il y a la première pour Haïtien, réellement, le peuple dominicain a regardé Haïtien. Non seulement et Haïtien est-il dominicain, comme nous toujours dit à la Haïtien est-il dominicain de tous côtés. Bon, si nous avons depuis la frontière, après marché. Par exemple, c'est Haïtien qui a acheté un dominicain. Il y a plusieurs millions de personnes approchées chaque jour. Haïtien a sorti tout le côté de la frontière. Oui, ils ont inquiété. Et c'est ça qui fait tout. Haïtien, ça a eu même association et poète haïtien et acteur haïtien, et bien qui font notre soutien dans le journal et Diario Libre tout, ils ont demandé, et bien pour ça cesser, ils ont demandé pour haïtien en tant que raison, et fait le mieux dans la caille. Ça faisait grande inquiétude au niveau d'haïtien, mais tout, ils ont appuyé la police haïtienne, à le gouvernement haïtien, qui dit, qui informait la police dominicaine, qui a même fait tout effort pour que les dominicains soient sauf. Quand il y a ça, il y a tout, les dominicains ont gardé nous. Plusieurs dans nous, quelques dans nous, par exemple, les noirs, les Santo Domingo, qui ont fait, c'est Simon Alvan qui a négocié avec fait. Ça veut dire, il n'y a pas, ouais, nous-mêmes, nous embaucher le pays. Donc, considération ça, peut-être, n'a fait au PITA, en rété dans l'information en tant que telle. Par exemple, semaine ça, il y a une altercation dans le niveau de ligne frontalière là. Côté gain un soldat dominicain apprend qui tuer un haïtien, est-ce que ça a un pouvoir avec les situations ça bon c'est pas les mêmes ça parce que c'est un haïtien militaire dominicain demandé pour le fond camper et puis haïtien panaco et puis sauvage haïtien panavel et puis militaire gainle c'est le militaire haïtien t'a allé un couteau sous lui et puis lui même répondit à une balle et dans ma police frontière là maintenant il tire encore la presse dominicaine et bien et au condamné ça même la même quand ça tout pas c'est pas la non, au fait, recevoir ici avec une balle dans la tête ou une balle dans le cou, c'est la forme ça vous répondre. Quand même, il y a une étude qui a fait, quand même, il y a une investigation qui a fait, mais je dis à la Dominicaine, pendant que je parle là, il y a un problème plus qu'Haïti. Le problème, pas nous, c'est le kidnapping, mais même, il y a un problème de corruption, il y a un problème qu'on a cap manger en pile. Mais, peuple haïtien, ça, peuple haïtien, pas besoin de 1 million 900 000 et quelques haïtiens qui viennent en Dominicaine, qui mange